Laura Lopez, fille de la reine consort Camilla et d'Andrew Parker Bowles, a été contrainte de mettre la clé sous la porte, comme l'a rapporté le Daily Express. Des temps difficiles, même pour la fille d'une reine. Confrontée depuis plusieurs mois à une crise économique et sociale de grande envergure, les Britanniques ont vu avec amertume le coût de la vie augmenter. Une crise économique qui a impacté également les entreprises, et ça, Laura Lopez ne le sait que trop bien. La fille de la reine consort Camilla et d'Andrew Parker Bowles a été contrainte de fermer sa boutique de mode Mojo McCoy, située à Londres, après quelques années difficiles pour le secteur de la vente au détail, comme l'a rapporté le Daily Express samedi 9 décembre. Laura Lopez et son mari, Harry, ont ouvert cette boutique il y a 8 ans avec un groupe d'amis, dont fait partie Chanel McCoy, épouse de la légende des courses hippiques Sir Tony. Mojo & McCoy est née d'un groupe de femmes d'affaires du Wiltshire passionnées par le denim, les marques uniques, le service à la clientèle et les tendances intemporelles en matière de design, peut-on ainsi lire sur le site officiel de l'enseigne. Comme l'ont rapporté nos confrères britanniques, Mojo McCoy proposait ainsi des pièces rares de la créatrice de bijoux Catherine Zoraida, qu'apprécie grandement Kate Middleton, ou encore des vêtements et accessoires de la griffe Céphine de Samantha Cameron, chère à l'épouse du roi Charles III. C'est avec le cœur lourd que nous devons annoncer la fermeture de Mojo McCoy à la fin de l'année. Crochet ouvrant, crochet fermant. Les dernières années ont été difficiles pour tout le monde dans le secteur de la vente au détail. Nous espérions déménager le magasin dans un meilleur endroit, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné, a ainsi annoncé un porte-parole de la boutique vouée à disparaître très prochainement. Plus grand que photo Camilla Parker Bowles, ses plus belles tenues de 2023, la passion de la mode de mère en fille, le monde entier a pu admirer la reine Camilla vêtue d'une magnifique robe cape bleu nuit signée Dior lors du dîner de gala organisé au château de Versailles le 20 septembre dernier. Il n'est d'ailleurs pas rare de se délecter des tenues sophistiquées de la belle-mère des princes William et Harry, qui cultive un goût prononcé pour les beaux vêtements, à l'image de la première dame française, Brigitte Macron. Un amour de la mode qu'elle partage également avec sa fille, Laura Lopez. D'ailleurs, toutes deux se sont tournées vers la même maison de couture, Robinson Valentine, pour la confection de leur robe de mariée.